Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce jeudi 21 mars? Il est 9h40. Je suis réveillée depuis 9h. J'ai super bien dormi. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Eh oui, petit déjeuner, petit café du matin. J'en ai envie. Donc c'est parti. Je me suis pesée déjà. Quand je me suis réveillée, donc ça va, je suis bien comme il faut. J'ai pas dépassé. Ah oui, parce qu'il faut toujours calculer. Hein. Toujours, toujours. Hein. De toute façon, même quand je pars en week-end ou en vacances, je suis obligée d'avoir ma balance pour me peser. Pour savoir combien j'ai dépassé, combien il me reste. Voilà, toujours du calcul. Ah, je suis forte en calcul. Hein. Surtout quand c'est question de poids. Donc voilà, premier café du matin. Je me suis fait des petites tartines avec du beurre confiture à l'abricot. J'ai pris une petite date. J'en mange d'habitude pendant la séance. Mais là, j'en ai pris qu'une. Parce qu'il y a du potassium, donc il faut faire attention. Et un Babybel. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie pour l'instant. Je suis réveillée depuis 9h, donc franchement, j'ai bien dormi. Mais j'ai dormi, alors je sais pas à quelle heure je me suis endormie, hein, mais je sais qu'il était tôt dans mon canapé. En fait, moi je suis dans le fond du canapé. Julie, elle est au milieu, Eric est dans le fond, au bord de la porte. Et Julie me masse le soir, je lui demande de faire un petit massage au dos et tout, donc elle me masse. Mais Julie, quand elle me masse, elle m'endort. Donc je me suis endormie jusqu'à, je me suis réveillée, c'était quelle heure? 2h ou 2h15, ouais, dans ces environs-là. Et du coup, quand je me réveille, j'ai faim. Donc je me suis fait un petit morceau de baguette comme ça, avec du Babybel. Et j'ai mangé, j'ai pris une petite bouteille d'eau, d'ailleurs je l'ai terminée, j'ai tout bu, et je suis montée. Alors il devait être 2h30, hein, à peu près 2h40, je suis montée, et là jusqu'à 9h, mais j'ai super bien dormi. Mais quand je me réveille, j'ai l'impression d'être encore fatiguée, mais ça c'est une impression, et je pense que c'est tout le monde. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui... au programme, j'ai pas mal de petites choses à faire, hein. D'ailleurs j'ai ma maison à faire comme tous les jours que je n'ai pas la séance, donc je vais faire ma maison, j'ai mes tapis de bain à laver, salle de bain quoi, j'en ai deux à laver, d'habitude il y en a trois mais là il y en a que deux, alors il y en a un qui n'a pas mis le troisième, donc c'est un fautif de nous trois, hein. Donc voilà, donc j'en ai que deux, donc je vais le faire, le temps aujourd'hui est moche quand même. Quand j'ai regardé la caméra ce matin en me réveillant, il y avait du brouillard. Et c'est bien gris quand même. Hein. Je sais que la pluie est prévue pour ce week-end. Alors, est-ce que c'est un avant-goût? Je sais pas. Il y en a marre de la pluie, franchement. On aimerait avoir du soleil, entendre les oiseaux chanter. Voilà. Et partir à la mer. Eh oui, bon, ça va venir. Faut être patient encore un petit peu. Mon café chaud. Hein. J'ai pris ma tasse double paroi. Comme ça, je préfère. Parce que quand je parle, après, j'oublie le café. Il est froid. Et voilà. Là, ça va. Oh, première gorgée du matin. Ça fait du bien. Oui. Bon, j'ai ma maison à faire. J'ai du linge qui est ici. Regardez. Il est là. À plier. Il est sec. Hein. À plier, une fois que j'ai tout fini ma maison, comme je vous dis, je me laisse jusqu'à entre 13h30 et 14h pour faire toute ma maison, enfin le maximum que je peux faire, donc je me laisse un temps jusqu'à l'heure là. Pourquoi? Alors, je vous l'avais dit que je devais pas sortir, et à chaque fois que j'en parle, il y a un truc, et oui, en fait, aujourd'hui au menu, c'est poulet frites, donc c'est poulet avec poulet aux olives. Donc ça, c'est Julie qui a choisi ce menu-là. Donc, c'est poulet aux olives. Donc, moi, j'avais acheté un poulet. Il manquait un poulet. Pourquoi? Parce que
Amélie et Vincent viennent manger en plus. Et Quentin, bien sûr. Hein. Quand je dis Amélie, il y a Quentin également. Hein. Donc, il fallait un deuxième poulet. Donc, Julie a acheté le deuxième poulet hier, quand elle est sortie du boulot. Et puis, hier, on papote. Alors, du coup, elle a préparé le poulet. Elle a commencé à faire la marinade et tout. Hop, elle est se reposer dans le frigo. Moi, je vais la voir et je lui dis, ça va, tu t'en sors et tout et tout. Donc, je lui dis, bah, comment tu procèdes pour le poulet ? Pour pas ce qu'elle allait me dire. Moi, je le sais très bien comment faire. Parce que c'est moi qui va le faire en plus. C'est ça. Donc, elle me dit ça. Je dis oui, mais je dis, tu vas prendre quelles olives ? T'as acheté les olives ? Ah bah non. Ah bah, je les prendrai demain. Non, mais je dis, attends, Julie, tu vas les prendre demain quand ? Pas à 18h. C'est trop tard. Et je dis, tu veux des olives à quoi ? Et ben, du coup, c'est moi qui vais aller les chercher. Voilà. Donc, je ne devais pas sortir. Et ben, je dois aller chercher des olives. Donc, ça va. Je regarde mon plateau à fruits, mais ça va, il est encore bien rempli. Hein. Donc, ça va. Je me laisse le temps de cette heure-là pour tout faire ma maison. Je vais acheter les olives. J'ai que ça à faire, puis passe à Lidl pour prendre des tomates et de la mozzarella, parce que franchement, j'en ai envie. Moi qui n'aime pas trop la mozzarella, mais j'en ai envie. Enfin, la mozzarella en tranche, quand je fais une salade de tomates, vous savez. Bref. Donc, j'avais envie de ça, et hier, j'en avais plus. Julie, elle avait tout usé quand elle avait fait ses repas, et elle ne me l'a pas dit. Donc, hier, j'avais la flemme d'aller à Lidl. Hein. En plus, il était déjà 18h. Du coup, j'ai ouvert l'armoire, il y avait une boîte de macédoine, j'ai dit, allez hop, c'est parfait et tout est parti. Alors, comment ça s'appelle ? Les paniers feuilletés, là. Alors, c'est bon, hein. Mais comme je vous ai dit, moi, j'en raffole pas. Franchement, je préfère les bouches à la reine. D'ailleurs, je vais même m'en acheter parce que je pense que ça va être pour ce week-end, peut-être. J'en ai trop envie, moi. Mais vous savez, moi, je fais avec des escalopes de poulet. Je fais une sauce blanche, escalope de poulet, coupe un petit morceau, champignons, et je mets ça, et franchement, je me régale. Donc, voilà. Et puis, alors, ah, attendez, je coupe. J'ai oublié de vous préciser dans mon petit déjeuner, mon verre de jus d'orange. Bah oui, parce que j'ai oublié ma bouteille. Je suis dégoûtée. Donc, alors, je récapitulatif. Je dois aller chercher les olives. Alors ça, c'est chez notre épicier. Hein. Les olives plus mes graines de tournesol parce qu'il me reste ça sur mon paquet. Et j'en aurai pas assez hein, pour finir ma semaine. Voilà quoi. Ensuite, je dois aller... C'est quoi ça? C'est pas... Un oiseau bizarre? Attendez, je vais voir. Donc, ben voilà, je me prends de l'eau, hein, puisque j'ai pas de jus de fruits. D'ailleurs, il faut que je vais en acheter. Donc, je disais, je dois aller chez mon épicier chercher les olives, mes graines de tournesol. Je dois aller à Lidl pour prendre tomates, mozzarella, enfin, plutôt mozzarella. Enfin, je vais voir, parce qu'en fait, les tomates, je les préfère chez Grand Frais. Donc, c'est vrai que mon épicier est juste à côté aussi, donc je pourrais passer à Grand Frais. Au pire, la mozzarella, c'est pas important. Parce que je voulais faire en entrée tomate mozzarella, mais j'ai des... Enfin, j'ai pas de tomate, mais j'ai des concombres. Est-ce que je ferais pas un mixte de salade? Vous savez, un saladier chacun. Je pense que je vais faire ça, parce que j'avais acheté des concombres à Grand Frais. Ouais, je vais faire ça. Mais bon, de toute façon, je dois aller quand même chez Lidl. Parce que je vous avais dit, j'ai gagné des petites choses. Et si je vais pas les chercher, ça va être perdu. Donc, de toute façon, en revenant de la maison, c'est sur ma route. Autant de s'arrêter. Je dois aller à Intermarché pour mon jus de fruits. Alors, il faut vraiment que je prends ma liste parce que sinon, ça va être foutu. Et puis, mes bouches à la reine. Ça. Et puis, il faut que je rachète des petits bonbons en vrac, vous savez, à peser, là, comme d'habitude. Parce qu'on arrive bientôt sur la fin de notre paquet. Alors, c'est vrai qu'on en mange de moins en moins, mais le soir, on aime bien manger un petit bonbon quand même. Donc,
Désolée, je mange devant vous. Mais mon heure est comptée. En vérité, j'ai même pas faim. J'ai l'impression que moi, le café me cale. Je sais pas vous, hein. Mais moi... Alors, ce midi, je sais pas quoi manger. Je vais voir. D'ailleurs, j'ai même envie de refaire une pizza. Parce que j'avais mon gros bloc de jambon, vous savez. Et puis, du coup, je vais le couper. Là, il m'en reste un gros morceau encore. Hein. Je vais le couper en petits morceaux. Et faire ma pizza et tout. Sinon, après, ça va être gâché. Et je n'aime pas le gâchis. Donc, ouais, franchement, c'est ce que je disais à Amélie hier quand on a mangé au McDo. Hein. Alors, je vous l'avais dit, on a passé un bon moment. Alors, je pouvais pas trop filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'est mercredi, c'est le jour des enfants, ça court partout, ça crie. C'est leur journée à eux aussi. Hein. Donc, je pouvais pas filmer. Et puis, j'avais pas pris ma perche. Hein. Et du coup, je lui disais, ouais, franchement, les menus, c'est bien en vérité. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on arrive bien à les faire. Franchement, je suis trop contente. Et du coup, la semaine prochaine, bah, ça sera pareil. Je vais voir mes placards, mon congélateur. Et en fonction de ce que j'ai, je ferai mes menus. Donc, comme je vous disais, au magasin, il manque toujours 2-3 petites choses. Mais c'est normal. Parce que des fois, on fait un plat et en entrée, on a envie de manger, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la tomate. Comme j'en ai pas, et bah, je vais en chercher. Après, c'est pas grave, quoi, en sortant. En soi. En sorte, en soi, c'est pas grave. Donc, moi, j'aime bien. Voilà, c'est mon organisation comme ça pour l'instant. Et c'est très bien parce que moi, je m'habitue. Hein, et puis, ça nous convient. Franchement, ça nous convient. Ça fait trop du bien. Alors, je vais vous faire montrer. Mes lunettes, elles sont là. Oui, je les ai pas mis hier alors que je devais vous les faire montrer. Hein. Mais quand je sors de la séance, j'ai une tête bizarre. Je suis pas pomponnée, rien du tout. Et là, je vais les mettre aujourd'hui. Oui, parce que je vais me préparer après. Donc, je vous les fais montrer. Mais vous verrez tout à l'heure quand je serai prête. Hein. Hop, la petite chiffonnette. Alors, elles sont comme ceci. Alors, moi, je voulais... Vous savez que ça me prend bien tout l'œil. Parce que vous savez, des fois, quand je regarde en l'air, là, ça fait un creux. Et j'aime pas. Et là, ça tombe tout le temps. Et en fait, moi, je voulais plus avec ça, là. Ça, j'en voulais plus. C'est une galère pas possible. Et je sais pas si vous voyez les traces, hein, mais regardez-moi ça. Elles sont dégueulasses. Alors, celle-ci, j'ai payé super cher. Hein. C'est une monture à 300 €. Hein, parce que c'est de la marque. C'est des Burberry, là. Ouais, c'est ça. Burberry, ouais. Franchement, ça m'intéresse même plus de prendre de la marque. Parce que tout compte fait, quand on les met, est-ce que vous voyez la marque? On les voit pas. C'est même pas écrit ici. C'est écrit à l'intérieur. Pourquoi? Ça devrait être écrit ici, comme les lunettes de soleil. Eh ben non. Eh ben non. Donc, c'est ridicule. Personne ne peut les voir que c'est des Burberry. Donc, pourquoi mettre cher? Donc, moi, je me suis dit, eh ben non. Je remets rien de ma poche. Et je prends des Afflelous. Et regardez-moi cette merveille. Moi, j'adore. Vous voyez? Là, je peux regarder en l'air. Je vois vraiment ici. Bon, là, je ne suis pas coiffée. Hein, mais vous voyez, imaginez-vous avec mes cheveux, mon maquillage, mes boucles d'oreilles et tout et tout. Donc, ouais, franchement, elles sont très, très belles. J'aime trop. Et j'ai voulu 100 trucs ici, là. Et j'ai pris un peu plus large les verres. Vous savez, là, en hauteur, là, par rapport à ceux-là. Vous voyez? C'est à différents modèles, hein. Et j'en suis très contente. Très, très contente. Donc, ceux-là,
je vais les ranger. Donc c'est vrai que je voulais pas mettre cela pour la séance. De toute façon, c'est les mêmes hein, lunettes, hein, c'est les mêmes verres et tout. Hein. Mais pour la séance, je sais pas. Bon, je vais voir. Bon, je vais remettre cela quand même. Hein. Moi, je vais mettre ma crème aujourd'hui, j'en ai besoin. Ouais, ma crème miracle. Et puis, ouais, je suis très contente de chez Afflelou en vérité. J'aime bien. Il y a des belles montures. Sinon, en marque, il n'y avait pas grand-chose. Franchement, il n'y a rien qui m'intéressait. Et beaucoup avec des choses comme ça. Là. Et moi, je voulais pas. Parce que, de toute façon, ça tombe. Regardez comment ça tombe. D'ailleurs, j'aurais dû même lui demander qu'il me les resserre un petit peu. Et puis, la ferraille. J'avais des barres en ferraille, là. J'aime pas. J'aimais bien sur le coup. Et maintenant, j'aime plus. Les oiseaux sont dans mes arbres. Alors, les arbres commencent à fleurir. Hein. Les arbres fruitiers. Ça arrive. Ouais. D'ailleurs, là, on va bientôt aller chez Floralux pour aller acheter tout ce qu'il faut pour le potager. Acheter tous les herbes aromatiques. Et puis, il nous faut aussi deux arbres fruitiers. Il nous faut... trois arbres fruitiers. Il nous faut un prunier, un poirier et je vais racheter un cerisier. Ouais. Donc, voilà. Mais il est temps que le soleil arrive, mais pas pour une journée, quoi, ni pour deux jours, un peu plus, qu'on puisse travailler dans le jardin et qu'on puisse bien mettre notre salon de jardin avec le parasol sur notre terrasse et qu'on prend notre petit déjeuner sur la terrasse. Oh, ça me manque. Ça me manque trop. Et mettre mes fleurs et tout, et sentir le thym, le persil. J'ai hâte. J'ai hâte. Et là, j'ai même dit à Eric, moi j'adore le muguet. Pour cette année, ça sera trop tard. Et justement, un Floralux, j'aimerais en acheter. Et je vais m'acheter une petite serre pour mettre mes plants de muguet pour l'année prochaine. Parce que moi, j'adore le muguet, ça sent trop bon. Ouais. Mais justement, moi dans mon jardin, où est-ce que j'ai fait bâtir ma maison? On n'a pas une très bonne terre. C'est compliqué de faire pousser le potager. Donc Eric, à chaque fois, remet du terreau, enfin on met de la terre et tout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en arbre fruitier, on a réussi. De toute façon, je vous ferai montrer, hein, dès qu'on a les fruits, dès que c'est bien fait, tout, que c'est trop beau, je vous ferai montrer les arbres. Et comme je vous ai dit, moi dans mon jardin, j'ai des pêches, des nectarines, des nachis. Alors les nachis, pour si vous ne connaissez pas, c'est un fruit entre la poire et la pomme. Alors c'est la forme d'une pomme, mais quand on croque dedans, c'est le jus d'une poire. Poire-pomme, c'est trop bon. Ça se vend souvent dans les magasins, les nachis. N-A-S-H-I. Donc j'ai ça. J'ai un noyer également. Alors les noix, ils donnent beaucoup. J'ai deux pommiers, j'ai des cerisiers dans le fond du jardin, j'ai un abricotier. Donc ça, c'est une année sur deux, ça dépend. Et après, c'est toutes des petites fleurs. Et puis, bah, on aura le potager, quoi. Voilà. Donc il nous manque... ah oui, puis on a aussi des vignes, du raisin. Et j'aimerais aussi avoir, c'est un kiwi. Mais je sais que le kiwi, il faut mâle et femelle. Donc, parce que nous, on a un grand jardin, en fait. Hein, donc, je peux me permettre de mettre tout ça. Et j'aime avoir ça. Et c'est comme je disais, Eric, moi, j'étais habituée avec mes parents. Dans notre jardin, on avait des arbres fruitiers. On avait la chance d'avoir un grand jardin aussi. Et mon papa mettait des arbres fruitiers. J'ai même des groseilles à macro. J'ai aussi des mûres, des groseilles. J'ai de la myrtille. Enfin, bref, j'ai... Tout ce que je peux trouver, j'essaye de le mettre dans mon jardin. Et j'ai la chance d'avoir un grand jardin. Quand j'ai fait bâtir ma maison, on a un grand terrain.
On a presque 130 mètres carrés avec la maison, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Alors moi, ma maison, en fait, comment je vais vous situer? J'ai un grand terrain. Oui, j'ai un grand terrain. Ma maison, elle est au milieu. Comme ça, moi, je voulais une cour devant avec un grand portail. Et ensuite, je voulais qu'on puisse passer par derrière et accéder au grand jardin derrière. Voilà comment elle se situe, ma maison. Donc, voilà. Et puis, ouais, j'ai hâte d'être dans mon jardin avec tous mes aromates, mon potager et tout et tout. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les petits pois. Alors, j'en mets un petit peu, hein, parce que moi, j'adore ça. J'adore. Dans le temps, je me rappelle, j'allais avec mon papa dans les champs, parce qu'on connaissait bien notre fermier. On achetait tout là-bas, notre beurre, notre lait, à ma maman, quoi. Et puis les pommes de terre. Et de temps en temps, il nous disait, bah, si tu veux des petits pois, tu peux venir en chercher. Donc, on allait chercher un gros sac de pommes de terre. Et on se mettait sur la terrasse. Et avec mon papa, bah, on faisait les petits pois. Ah, c'était la belle époque. Hein. Ouais, moi, j'adore. Donc, ouais, j'ai toujours voulu avoir un jardin. Et Amélie, pareil. Amélie, comme vous le savez, elle vient d'acheter sa maison aussi. Donc, elle va faire un potager également et elle veut mettre des légumes. Elle veut même avoir des poules. Et puis, ouais, voilà, c'est bien. Nous, les poules se portent bien. Hein. Donc, nous, en fait, nous, on a fait notre jardin ici. On l'a séparé en deux. Et à l'arrière, c'est la cabane à réglisse, sa petite maisonnette, son petit chalet. Et après, c'est les poules et tout. Donc, les poules, ils sont bien... Pardon. On a tout ce qu'il faut pour les poules parce que j'en avais avant. Donc, on avait tout gardé. Hein. Mais Eric va fermer plus là-bas. Et puis, on va rapprocher les poules. Parce que moi, c'est rare que je vais dans le fond du jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop loin pour moi. Donc, bon, on va voir comment on va faire cette année. On verra. Mais j'ai hâte de mettre mes deux salons de jardin. Oui, parce que moi, j'en ai deux. J'ai mon salon de jardin en fer forgé blanc que je mets sur ma première terrasse. Et ensuite, j'ai une deuxième terrasse un peu plus loin en bois. Et là-bas, je mets mon salon de jardin... comment ça s'appelle ça? Vous savez, ça fait des petits fauteuils noirs avec la petite table basse. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc ça. Et puis, j'aimerais m'acheter des palmiers aussi. Alors, en vacances, on en avait récupéré un. Mais il est mort. Donc, on l'a enlevé. Et là, devant, bah, pareil, hein, devant, c'est toutes mes fleurs aussi. Mais là, j'ai envie d'enlever... un peu de choses et faire un potager parce que devant ça prend bien. Donc est-ce que devant je mettrai pas parce que en fait ici en long là je peux faire un potager et sur ma fenêtre de salon c'est en long comme ça et là c'est toutes mes fleurs, donc en fleurs je suis bien, mais là du coup j'aimerais me faire un petit potager. Donc je vais voir, on va voir comment on va faire. Mais j'espère qu'on va pas trop tarder, hein, parce que bah, après, c'est avec le temps aussi. Hein, parce que bah, après, ça va être les vacances et on sera pas là, quoi. Voilà. Il y aura que les enfants qui seront à la maison. Julie et Vincent, quoi. Et mon voisin sera là aussi parce qu'on s'arrange hein, quand c'est comme ça. Parce que vous savez que mon voisin, souvent... Enfin, souvent. Non, pas souvent, mais... Quand vraiment j'ai besoin, il s'occupe de réglisse. Donc là, il a fait connaissance de pistache aussi. Et ça se passe très bien. Voilà, donc ouais. Mais j'ai hâte de faire le potager, ça me manque. D'ailleurs là, je vais... Non, là, il n'est pas l'heure. C'est vers 13h que je dois mélanger mon cosso. Vous savez, mon sirop de fruits là. Je vais vous le faire montrer également. Et j'attends mes grains de kéfir. J'ai hâte de faire ma limonade. Donc, je vais faire de la limonade à l'orange, hein, à l'orange sanguine. Enfin, l'orangina, voilà, orangina, quoi. Donc, j'ai hâte. Donc là, j'ai fini ma bouteille de 1 litre de limonade. Et je vais en racheter 2 encore.
Et hier, justement, j'en parlais avec Amélie quand on était au McDo. Je sais, je blablate beaucoup, hein, mais j'adore ça. Je voulais dire, une fois que je suis partie, je ne m'arrête plus. Faut m'arrêter, hein, les amis, faut m'arrêter, hein. Si ça vous plaît pas, dites-le-moi, hein, parce que comme ça, je coupe la vidéo et puis voilà, hein, c'est trop long sinon pour vous, hein. Faut me le dire, hein. Pour ceux qui aiment et pour ceux qui aiment pas, dites-le-moi en commentaire. Parce que ça m'intéresse, hein. J'aimerais avoir votre avis. Après tout, je fais ça pour vous. Donc si vous aimez pas, faut me le dire, hein. Moi, je ne le fais pas exprès, hein, mais une fois que je suis lancée, hein. Donc, je disais à Amélie aussi, on regardait les vidéos pour faire la bière, pour faire les fromages frais et tout. D'ailleurs, ça, je vais m'en occuper aussi, je pense, ce week-end. Souvent, peut-être dimanche, parce que souvent, le dimanche, bah, j'ai pas trop de choses envie de faire et je ferai peut-être mes faisselles. Donc, voilà. Et puis, ah oui, et puis aujourd'hui, je vais vous tourner aussi la vidéo des produits d'hygiène parce que ça traîne dans mon fauteuil et j'aime pas. Ça m'énerve. Donc, je vais la tourner. Bon, allez. Non, allez, on va arrêter un petit peu. Je vais finir mon petit déjeuner. Bon, ça va, j'ai terminé le café. Il me reste mes tartines, mon Babybel et ma datte. Et après, j'attaque le ménage. Et on se retrouve un petit peu. Je parle. Je parle. Je parle, je parle, mais je ne respire pas. Donc, je disais, ouais, après, je vais me préparer. Je ne sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui, encore une fois. Et puis, je vais noter tout ce que j'ai à faire sur ma liste en course, que je dois rien oublier, parce que sinon, ça va être une catastrophe. Parce que je n'ai pas envie d'y aller demain non plus, parce que demain, c'est la séance. Et j'aime bien rentrer et puis rester à la maison. D'ailleurs, le menu de demain, je ne sais pas c'est quoi. Ah oui, demain, c'est raclette. Donc, il me reste une barquette de fromage. Donc, il y en aura assez pour nous trois. J'ai les pommes de terre, j'ai toute la charcuterie. J'ai du jambon, vous savez, à poêler. Donc, j'ai ça. J'ai du pâté. Julie, elle a sa charcuterie à elle. Ça sera bien. J'achèterai une salade en plus. Voilà. D'ailleurs, je vais prendre mon carnet, comme ça, je vais tout noter. Donc voilà. Bon, désolée, hein. Je finissais ma tartine. J'ai noté sur mon petit carnet. Donc chez mon épicier, il me faut les olives et mes graines de tournesol. À grand frais, je vais prendre les tomates et la salade. Intermarché, les feuilletés bouchées à la reine, les bonbons, mon jus de fruits et de la limonade. J'espère que j'ai rien oublié. Et je vais passer chez Action également pour les gourmandises des chiens. Parce que là, il y en a un en plus. Et oui, maintenant j'ai trois chiens. Donc les prénoms sont Macho, Réglisse et Pistache. Donc c'est à coup pour les friandises, hein, je vous le dis, hein, parce que Réglisse a une corpulence énorme. Donc il lui faut des grosses friandises, quoi. Donc c'est à coup aussi, hein, ça part très vite en vérité. Hein, parce que je leur donne un au matin, quand je me réveille, c'est comme si c'était leur petit déjeuner. Donc je leur donne un chacun, selon la taille, hein, parce que Réglisse a le plus gros. Pardon. Macho a le petit et Pistache entre les deux. Donc je jongle avec tout ça. Et franchement, ça part très vite, hein. Et après, sur le coup de midi, j'en donne au moins 2-3 par jour. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais moi, ils me les réclament. Donc, c'est vrai qu'Eric me dit, regarde le prix du kilo, parce que franchement, et puis compare avec les saucisses à la charcuterie, par exemple. Peut-être que ça serait peut-être moins cher. Vous savez, comme ou bien les saucisses top budget, là, les saucisses de Strasbourg. Est-ce que ça serait pas meilleur? Mais est-ce que ça leur fait plaisir d'avoir aussi une petite friandise? Est-ce que je devrais jongler entre les deux? À votre avis, donnez-moi votre avis. Comment, enfin, c'est quoi la meilleure solution en fait? Rester à toujours donner les friandises ou jongler avec les deux ou arrêter les friandises et donner des saucisses?
Mais est-ce que les saucisses, c'est très bon aussi pour eux? J'en sais rien. Au pire, je demanderai mon véto. Au pire. Vétérinaire, j'y vais pas souvent, parce que mes chiens se portent très bien. J'y vais seulement pour acheter les médicaments anti-puces. Souvent, j'achète ça pendant l'été. Et franchement, je préfère parce que j'ai tellement dépensé de l'argent en achetant des colliers et de la poudre et ceci et cela qui ne sert absolument à rien du tout. Et vous payez ça très cher, entre 5 et 10 euros le collier. Et franchement, pour les médicaments, j'en ai pour une vingtaine d'euros pour Réglisse et Macho. Parce qu'en ce temps-là, j'en avais que deux de chiens. Donc vous voyez le prix, et ça dure pour 4 mois parce que c'est un cachet que vous divisez en 2, en 4. Pardon. Donc franchement, j'en ai pour des mois et des mois. Enfin, 4 mois, quoi. J'ai bien réfléchi et c'est Amélie qui m'a fait connaître ce vétérinaire parce qu'elle a le mis ses chats là-bas. Et franchement, il est top et pas très cher. Donc maintenant, c'est mon veto. Donc quand j'irai chercher les médicaments, au pire, je lui demanderai son avis également. Donc voilà. Donc je prends ma petite liste, franchement j'espère ne pas l'oublier. Je vais la mettre ici. Alors, tu rentres ou pas? Voilà, comme ça je suis sûre de le voir. J'espère ne rien oublier. Voilà, et demain comme ça je n'ai rien à acheter parce que c'est la raclette. J'ai tout ce qu'il faut et voilà la salade aussi en plus pour demain. Julie m'a dit, elle m'a envoyé un message, là, elle m'a dit que « Maman, je vais acheter aussi des frites de patates douces. » Ben oui, comme tu veux. De toute façon, nous, les frites, on les fait à l'air fryer. Hein. C'est des frites, comment ça s'appelle, des frites fraîches qu'on a achetées. Hein. Comme ça, j'ai pas besoin d'éplucher. Parce que là, il en faut beaucoup, hein. On est quand même à 6. Hein. Donc... il faut beaucoup de pommes de terre. Et moi, Eric préfère les grosses pommes de terre pour les frites. Hein. Pas des quéquettes. Hein. Donc, pas des kiki, pas des quéquettes. Bref, vous avez compris, hein? Donc, voilà. On fait ça à l'air fryer et franchement, on se régale. Hein. Donc, voilà. On va se régaler ce soir. De toute façon, je vous ferai montrer. Hein. Donc, je pense que... Enfin, je vous filmerai les plats, mais je vous filmerai pas les enfants, quoi. Enfin, je vais voir. Sauf Julie, bien sûr. Vous avez l'habitude. J'ai plus de batterie. Donc je vais arrêter là. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Bon les amis, je vous reprends. Il est 11h50. Et j'ai fini le ménage. Je suis trop contente. Et j'ai saqué quand même. Hein. J'y suis allée. Hein. Donc j'ai renoté des petites choses qu'il me fallait sur ma liste. Bon, je vous ferai montrer. Hein. Sinon, si je vous le dis, après, ça sert à rien que je fais un retour de course. Et puis, ici, j'ai commencé à faire mes menus pour la semaine prochaine. Alors, j'ai quelques idées. Bon, je ne vous les dis pas tout de suite. Hein, je vous le dirai fin de semaine. Parce que j'ai que 3 repas. Là. 3 repas pour la semaine prochaine. Donc, voilà. Ah oui, j'ai un autre... notre menu que Julie m'avait dit. Je vais le noter sur mon cahier et après je le note sur mon tableau. Alors, ça. Hop, voilà, comme ça c'est noté pour pas que j'oublie. Voilà. Ouais, du coup j'ai fini tout mon ménage, je suis tranquille. Ça fait du bien. Mon lave-vaisselle est en train de tourner. Oh, j'ai tout mis dans le lave-vaisselle. Oh, je dis, allez, hop. On verra bien si ça va bien laver ou pas. Parce que mon lave-vaisselle est capricieux. Je n'ai pas de lessive à faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est cool. J'ai plié tout mon linge. Ici, j'ai quand même du repassage. Donc, si j'ai le temps, je le ferai cet après-midi. Sinon, je ne sais pas quand. J'ai mis ma bouteille au frais, ça fait du bien. Ouais, du coup, bah, là, je vais me préparer. Et puis, je voulais vous... Ah oui, je voulais vous faire montrer mon cosso. Alors, je suis trop contente parce qu'il prend bien. Regardez ce qui reste comme sucre. Il reste plus grand-chose. Et comme on est jeudi, et ben, je pense que pour samedi,
ça sera impeccable. Impeccable. Donc je vais le mélanger. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment très très bon. Alors, je sais pas comment je vais le tenir pour que vous voyez. Hop. Alors on voit bien le sirop. Franchement, on sent qu'il commence bien à être épais. Ah si, je suis obligée de goûter. Obligée. Même si je vais m'en mettre partout, c'est pas grave. Par contre, il faudrait que je cherche une petite bouteille en verre pour quand je vais filtrer mon sirop et le mettre dedans. Donc, je vais essayer de trouver ça. Si je trouve pas, bah c'est rien, je le mettrai dans un pot comme ceci. Ouais. Voilà. Bien, bien, bien mélangé. Hop. Allez, on goûte. Enfin, je goûte. Je goûte et je vous dis quoi. Délicieux. On sent bien l'orange sanguine. Et c'est vraiment pas tellement sucré en fait. C'est sucré comme un sirop. Mais c'est moins écœurant. Franchement, c'est très bon. Donc, je vais attendre encore jusqu'à samedi. Parce que là, ça fera une bonne semaine. Et je dégusterai ça dans mon eau. Et je vous dirai ce que j'en pense. Donc là, je le remets à la chaleur. Donc, je le mets sur mon armoire ici au-dessus. Parce que comme la chaleur monte, c'est plus chaud par ici que dans la cuisine, en fait. C'est comme les radiateurs sont du côté là. Donc, c'est cool. Donc, je suis contente. Si ça marche dans l'eau et tout, si j'aime beaucoup, et ben là, je ferai une grosse quantité. Et là, je vais racheter un petit pot. Tout à l'heure, chez Action, d'ailleurs, je vais le noter. Pour faire le sirop à la menthe. Menthe gingembre, hein, je vais faire. Alors, pot pour sirop. Je vais le noter, comme ça, je le saurai. Et je vais prendre le même, hein. Je vais prendre le même. Alors, je pourrais le refaire dedans, mais si je trouve pas de petite bouteille pour mon sirop à l'orange, eh ben, je garderai mon pot, en fait. Donc, j'aurai pas le choix. Donc, voilà. Comme ça, samedi, je pourrai le filtrer avec le bazar que j'ai acheté, là, la passoire filtreuse que je vais recevoir samedi, que j'ai commandé chez Amazon avec mon cosso de fruits. Non, avec mes graines de kéfir. Je m'en mêle les pinceaux. Macho est juste là. Voilà. Et puis, ben, moi, je vais les passer à la douche maintenant et puis me pomponner un petit peu. Mais je peux vous dire que là, j'ai un coup de fatigue hein, quand même. Pouf. Et j'ai un petit peu faim. Ben, ça, j'ai pas déjeuné. Hein. J'ai laissé mon pain. J'étais tellement pressée de finir le ménage et tout que j'ai pas mangé. J'ai mangé que le Babybel. J'ai pas mangé ma date, donc je l'ai remis dans le paquet. Et les tartines, et ben ça sera pour Riglis, que lui, il aime bien ça. J'ai envoyé un message à Vincent, je n'ai pas de réponse. Je voulais savoir s'il voulait venir avec moi au magasin. Bon, j'ai encore un peu de temps, hein. Moi je vais démarrer vers 13h30. Donc peut-être d'ici là, il va me répondre, hein. J'espère. Donc ouais, voilà, du coup, j'ai fait 3 menus déjà. Alors samedi, il faut que je vais en Belgique. Je vais aller chercher du beurre. Et puis, je vais faire quelques petites courses d'appoint. En fait, il nous faut des croquettes pour les chiens. Donc en même temps, je vais prendre ce qu'il me faut en Belgique. D'ailleurs, je vais noter. Pour pas que j'oublie, parce que j'ai tellement une tête de linotte. Alors, je vais marquer les... ça. Le beurre. Et ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ouais, samedi... je vous l'ai dit, je suis fatiguée, là. La semaine prochaine, les menus,
ça va être autre chose. Il y aura un menu que j'ai déjà fait, mais pas dans le même sens. Donc, à voir. Bon, je sais pas ce que je vais mettre. Bon, je pense que je vais mettre un jean parce qu'il fait pas froid. Enfin, il fait pas tellement chaud. Je sais pas combien de degrés il fait. Il fait combien? Il fait 11 degrés dehors. C'est pas tellement froid, mais je pense qu'il faut quand même mettre un pull. Mais je pense que je vais mettre mon jean. Je vais mettre un jean aujourd'hui avec mes bottines noires. Et le haut, je ne sais pas. Franchement, c'est compliqué de s'habiller en vérité. Moi, franchement, quand je ne sors, enfin, je ne sortirai pas, je resterai en maison en tenue d'intérieur. Pas en maison d'intérieur, Sandrine, en tenue d'intérieur. En fait, j'essaye, je veux parler vite, mais je parle mal. Je dis des bêtises. Donc voilà. Ah oui, je ne vous ai pas fait montrer la dernière fois le petit œuf qu'on a eu. Je vais le chercher. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous voyez. Mais il est tout petit par rapport. Il est vraiment tout tout petit, regardez. Voilà. Il est vraiment petit. Il doit faire 3 cm. Ouais, pas plus. Trop mignon. Bon, je le mettrai quand je fais une purée ou une omelette. D'ailleurs, je pense que je ferai une purée dans la semaine prochaine aussi. Ouais, je sais pas, à voir. Je vais voir les placards et puis on verra avec quoi je vais faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je sais plus. Bon allez, je vais aller à la douche. Et au pire, si je suis prête et tout, je dois partir, ben je partirai. Et puis Vincent, s'il me répond, ben tant pis. Hein. Au moins, je serai rentrée très tôt et je pourrai commencer après à faire la popote. Enfin, je ne vais pas le faire tout de suite parce que du poulet, ça cuit assez vite quand même. Hein. Et puis les frites sont déjà prêtes, on n'a plus qu'à les faire à l'air fryer. Et je vais faire un petit apéro. Donc je vais mettre du saucisson, je mettrai du fromage, des chips. On fera un petit apéro, on buvra un petit apéro. Pleine semaine comme ça, c'est cool. Mais bon. Après, comme je dis, moi le week-end, je ne peux pas trop faire d'apéro ni de trop gros repas parce que je suis en week-end et pour moi c'est compliqué, mais ça m'arrive de le faire et ça m'arrive d'aller au restaurant, mais je ne prends pas de grosses quantités et ni d'apéro en fait. Enfin, ça dépend. Je ne vais pas vous mentir, ça dépend. Mais quand je fais ça, en fait, je recalcule pour moi le dimanche. Donc, je me prive le dimanche. Pour pas avoir un gros poids après le lundi, parce que sinon c'est compliqué. Bref, je parle d'autre chose et je vous l'ai dit, je m'en mets le lait pinceau. En fruits, ça va, il y aura assez, donc pas besoin de racheter. En boisson, j'ai ce qu'il faut aussi. Donc il n'y a pas besoin. En chips et tout, il n'y a pas besoin. Non, franchement, tout ce que j'ai noté là, ça va me suffire pour ce qui me manque. J'irai à la boucherie. J'irai à la boucherie quand peut-être samedi. Oui, parce que j'ai une autre. Ouais, j'ai une idée là de... Ouais, je vais noter tout de suite sur mon tableau. Voilà, j'ai noté un menu. Donc, il me reste vendredi prochain. Pour la semaine prochaine, il me reste que vendredi. Bon, samedi, dimanche, c'est rare que je fais le menu parce que on a toujours des imprévus. Mais j'ai peut-être une idée aussi que je vais noter. Et après, je verrai avec Julie. Alors, Julie va choisir... le menu du vendredi. Voilà, je note parce que j'ai une idée.
Donc, comme ça, je verrai avec elle. Elle choisira le menu du vendredi et voir si elle a des idées pour samedi-dimanche. Mais samedi-dimanche, on verra. Donc, moi, j'ai un petit peu faim, là, je vais manger. Alors, hier, quand j'étais au McDo, j'avais pris un menu enfant et j'ai pris un sandwich Big Mac. Donc là, je l'ai. Eric ne l'a pas pris. Je pensais qu'il l'aurait pris, mais il ne l'a pas pris. Je ne sais pas ce qu'il a pris à manger. J'ai pas fait attention. Je pense qu'il a pris des sandwichs. Parce qu'il dit quand il mange le repas midi, après il a du mal à retravailler. Donc il préfère prendre des sandwichs. Et je pense qu'il a pris des sandwichs au jambon. D'ailleurs, là, on n'a plus de pain. Ça part très vite. Alors, le pain que j'avais fait... Alors, pour ma part, j'ai pas été satisfaite. Il est bon, mais j'ai pas été satisfaite parce que, en fait, j'avais changé de recette. J'avais mis deux farines et ça n'allait pas, en fait. Et il était pas assez alvéolé. Et moi, j'aime pas. Donc, la mie, elle était assez compacte. Mais Eric a aimé. Mais pas moi. Donc... Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire du pain. Là, il est déjà midi. Parce qu'après, il faut rester à la maison pour voir le gonflement et tout, le repos et tout. Donc, non, j'irai à la boulangerie, je vais acheter du pain. Et de toute façon, moi, quand je fais des frites, j'adore avoir de la baguette. Je vais le noter sur ma liste. Baguette. Voilà. Ma liste, elle est faite n'importe comment. Regardez-moi ça. N'importe comment. Mais bon, je vais m'en sortir. Ça va aller. Voilà. Là, c'est mon petit cahier. Alors, le cahier là, je prends des notes. Et quand j'aurai le temps, je vais noter aussi, comme je vous avais dit, pour mon ménage. Vous savez que je fais à la routine quotidiennement, à la semaine, au mois, etc., etc. Mais là, en ce moment, c'est vrai que j'ai plein de choses à faire. Je ne suis pas encore bien organisée. Mais bon, avec les séances, ça me fatigue. Donc, on verra le mois prochain avec la prochaine prise de sang pour voir si tout est normal. C'est peut-être ça aussi qui me fatigue avec le calcium et tout, les vitamines. Le manque de soleil, hein, c'est peut-être ça aussi. Il y a plein de choses, mais j'essaye de passer au-dessus. J'essaye de faire pas mal de choses. Voilà, j'essaye... de ne pas rester à rien faire parce que bah, déjà, c'est pas moi. Hein. Je suis toujours en train de courir. C'est pas à courir, hein, mais j'aime bien faire des choses. Je veux pas rester inactive. Non, ça me ressemble pas. Donc, il faut aller au-dessus. Il faut pas se dire, oh, j'ai pas envie. Je dis pas, hein, ça m'arrive. Hein, franchement, quand je suis vraiment, vraiment fatiguée, ça m'arrive de rien faire du tout. De toute façon, je suis transparente avec vous. Je le dis. Hein. Quand vraiment j'ai envie de rien faire, je ne fais rien. Hein, je ne vais pas me forcer puis me retrouver par terre. Non, mais quand je sens que je peux aller au-dessus, je le fais. Comme là, aujourd'hui, là, bon, j'ai fait tout mon ménage, je suis tranquille. Là, je vous dis, bon, ça y est, je suis fatiguée. Ben, je pourrais aller m'allonger, mais non. Je me dis, ben, j'ai encore ça à faire, il faut que je le fasse. Je pourrais le faire demain, d'après-demain, mais non. Sinon, sinon on n'avance pas, en fait, hein. J'ai des choses à faire, donc j'en profite quand j'ai pas les jours de séance. Et puis, je me reposerai ce soir, c'est pas grave. Hein? Déjà que je perds 3 jours dans la semaine, donc il faut que je me rattrape autrement. Allez, je vais à la douche, je vais me pomponner. Et puis, on va se retrouver par la suite pour ma jolie coiffure que je ferai. Enfin, c'est toujours la même, hein? Lavage de cheveux. Séchoir et hop, un petit peu de maquillage. Je vais mettre ma brillante crème que j'adore. D'ailleurs, je la mets tous les jours hein, depuis 3 semaines maintenant. Et ouais, elle marche super bien sur moi. Donc, je l'adore. Et puis, un petit coup de maquillage. Et puis, voilà, après les dents. Enfin, bref, voilà, vous avez compris. Hein, tout le tralala. Et puis, on démarrera pour les courses. J'ai préparé mes sacs de courses. Parce que sinon, à chaque fois, je les oublie. Donc là, je les ai mis au bord de la porte. Que d'habitude, ils sont dans le coffre. Mathieu est dans le canapé. Il est allongé, mais il me regarde. Parce qu'il sait que je vais me préparer et que je vais partir. Donc, il fait un petit peu la tête. Hein. Mais bon, j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille.
Allez, c'est parti, on se retrouve dans la salle de bain. Recoucou dans la salle de bain. Bon, je suis prête, à peu près prête, pas tout à fait. Alors, j'ai mis mon petit collier, j'ai mis un pull et mon jean comme prévu. Maintenant, je vais passer à mon visage. Donc, j'ai commencé à mettre ma crème de jour rétinol, comme d'habitude. Hein, j'essaye de finir le pot. Et là, ma crème révolutionnaire qui me satisfait depuis 3 semaines, c'est cette crème de la marque Imim. C'est révolutionnaire. Franchement, moi, ça marche sur moi. Quand je l'ai, c'est un partenariat, mais sans, enfin, je ne touche rien. J'essaye le produit et j'en donne mon avis. Donc, j'ai accepté. Je l'ai testé pendant 3 semaines. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, mais ça marche. Donc là, j'ai le sérum Imim. Alors, c'est un sérum qui se présente comme ceci, sous forme de pipette. Alors, il faut vraiment en mettre quelques gouttes. C'est pas la peine d'en mettre une tonne. Voilà, ça se présente comme ceci. Allez, on va le faire, parce que moi, je l'adore cette crème. Enfin, ce sérum déjà. Donc, je prends ma pipette et j'en mets vraiment très peu, hein. Une à deux, trois gouttes, c'est suffisant. Et je viens avec mes doigts frotter comme ça ou tapoter. C'est comme vous voulez. Et je fais comme ceci. Voilà, j'étire bien. Alors, ça n'a pas d'odeur, hein. Ça n'a pas d'odeur. Hop. J'étire bien, j'appuie, hop, je viens finir ici, hop, hop, voilà. Ensuite, par au-dessus, j'ai la crème sous forme de pompe. Alors, j'enlève le petit bouchon. Et là, pareil, vous appuyez, vous avez la noisette. Franchement, c'est suffisant. Hop. Et pareil, je viens ici masser. Hop. Alors, c'est une crème anti-âge, comme pour moi. À mon âge, hein, on commence à avoir des poches et tout, donc franchement, ça hydrate, c'est frais, je trouve. Ce n'est pas gras du tout, franchement, sur vos yeux, ça ne laisse rien du tout. Et bah, franchement, pendant la journée, je sens vraiment la différence. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Ça ne prend pas beaucoup de temps à se préparer. Voilà, vous avez le petit bouchon ici pour pas que ça sèche. Et c'est... attendez, je vais mettre mes lunettes maintenant parce que sinon je vais rien voir. Hein. Alors, la crème, c'est 30 ml. Donc franchement, on va longtemps avec, hein. Très très longtemps. Vous voyez, moi, ça fait 3 semaines et j'ai l'impression que ça diminue pas, hein, tellement que ça dure longtemps. Et pareil pour le sérum. Donc, la crème et le sérum de la marque Imim. Je vous mets un code de réduction ici, juste en bas, et je vous mettrai le lien dans la barre de description. Alors, vous trouvez ce produit sur Amazon, pas très cher, franchement, moi, quand je l'ai vu... Et que j'ai regardé le prix, j'ai dit waouh. Dès que j'ai fini, j'en rachète. Parce que franchement, ça marche. Parce qu'avec toutes les crèmes, moi, que j'ai essayé,
Franchement, mes poches ne disparaissaient pas. Et là, je sens que ça diminue en fait. Ça tire le visage, vous ne le sentez pas, hein. Mais ça éveille aussi votre visage, le regard en fait. Voilà. Donc la marque Imim, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, eh ben, allez voir et puis testez-le. Vous avez un code de réduction et le lien en bas de description. Allez, je continue à me préparer. Donc, maquillage. Allez, c'est parti. Alors, non, je ne vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Parce que j'ai envie de mettre du rose aujourd'hui. Ouais, pourquoi pas du rose? Allez, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais mettre mes nouvelles lunettes aujourd'hui. On va mettre un petit rose. Alors, je ne suis pas une pro de maquillage, moi. Moi, je me maquille vraiment très, très simple, hein. Un petit peu de fard à paupières, du blush, mascara rouge à lèvres et roule-titine. C'est très bien comme ça. Ça me va. Voilà. C'est parfait, ça. Est-ce que c'est parfait? Ben oui, ça va le faire. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, le blush. Hop. On va bien estomper, parce que je ne veux pas me retrouver toute rose, hein, quand même. Voilà. Je range la palette. Mascara. Le mascara de chez Max & More. Hein. Toujours le même. Je l'adore. Il est très bien. Et puis, je le finis. Hein, le temps d'en racheter un autre. Franchement, je vois déjà que ça s'estompe. Hein, les poches, je sais pas si vous voyez la différence, mais de toute façon, vous avez bien vu, hein, pendant ces semaines que j'avais un beau visage, et ben c'est cette crème Imim. Silence quand on met du mascara pour pas déborder. On ouvre les grands yeux. Parce que moi, j'ai tendance à mettre le Ricil dans mon œil et ça pique après, ça fait mal. Bon, je sais pas si j'aurais dû choisir ce rose-là. Bon, après, dans ma salle de bain, il fait pas très très clair non plus, hein. D'ailleurs, il faut que je dis à Eric qu'il me remet une lampe. Parce que ça ne va pas. Un petit coup de rouge à lèvres. Non. J'ai mon rouge à lèvres rose dans la voiture. Je vais mettre celui-là. En boucle d'oreille. Voilà. Et je vais faire sécher mes cheveux, bien entendu. Hop. Alors j'avais mis une paire de boucles d'oreilles de Julie. Je ne sais pas où elle l'a achetée. C'est pas cela. Hein. C'est une autre paire que j'ai mis dans la semaine. Et ben franchement, ça me faisait mal aux oreilles. Du coup, j'ai arrêté de les mettre. Je lui ai demandé si c'était les siennes, mais elle n'a pas fait attention quand je les avais mis. Donc bon allez, on va se faire sécher les cheveux. Parce qu'on va pas sortir avec les cheveux mouillés, hein. Ce n'est pas encore l'été. On ne peut pas les faire sécher à l'air libre. Donc, j'ai testé mon dentifrice Colgate à la chlorophylle.
Eh ben, je l'aime beaucoup. Parce qu'il ne pique pas. Parce qu'il y a des dentifrices, waouh, ça pique. Hein. Et celui-là, franchement, je l'aime beaucoup. Donc, je crois que je vais l'adopter. Allez, séchage de cheveux. Arme. Hop, on branche. Hop, et c'est parti! Voilà, séchage de cheveux terminé. Ça va vite. Hein. Hop. Et je vais mettre mes nouvelles lunettes. Ça change, hein, quand on est apprêté comme ça, pomponné. Franchement, j'ai l'impression d'être une autre personne. Et là, ma crème commence à vraiment faire effet. Hein, je le sens vraiment. Donc, j'en suis très contente. Allez, je les range pour moi demain. Et, ah oui, non, pas demain, ce soir, parce qu'on peut le faire deux fois par jour. Donc, moi, je le fais au matin et je le fais le soir. J'avais oublié de préciser. Voilà. Et franchement, c'est mes chouchous. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez de mes lunettes? Elles sont trop belles, hein? Allez, c'est parti, je vais mettre mes chaussures, enfin, mes chaussettes d'abord, mes chaussures, et puis on va aller faire les petites courses. C'est parti. Bon, allez les amis, c'est parti pour les courses. Il est 13h10. Mon petit rouge à lèvres, un petit peu brillant. Alors je l'adore celui-là parce que je l'ai acheté chez Noz. Et c'est à L'Oréal. Et j'avais payé 4 euros. D'ailleurs, j'ai encore laissé l'étiquette. Et il est comme ceci. Regardez-moi ça. Regardez cette beauté. Regardez. Il est trop, trop beau. Franchement, il est trop beau. Et il sent très bon. Moi, j'aime un rouge à lèvres qui sent très bon. Je suis en plein milieu de la route. Mais bon, je suis devant chez moi. Donc, c'est pas grave. Allez, on est parti pour les courses. Donc je n'ai pas eu de nouvelles de Vincent, donc soit qu'il n'a pas eu mon message, ou soit qu'il est occupé, ou qu'il est parti, je sais pas. Et ben tant pis, je vais aux courses toute seule. Voilà, il fait 11 degrés, il fait pas froid hein, quand même hein. Enfin, dans les maisons il fait frais quand même hein, parce que moi j'avais éteint les radiateurs parce que ben, j'étais en train de travailler. Donc quand on fait le ménage, on a super chaud. Mais après, quand on fait plus rien, eh ben, j'avais un peu froid. Et franchement, dans les maisons, il fait frais quand même. Mais le temps est toujours couvert. Hein, c'est blanc. Genre brouillard, vous savez, en hauteur. Ouais, c'est bizarre. Bon, alors là, direction chez mon épicier. Épicier, grand frais. Puis ainsi de suite. Bon les amis, je suis enfin rentrée des courses. Il était temps. Allez, je vais boire d'abord. J'ai soif. J'ai tellement mangé des bonbons pendant la route. Il y avait du soleil et je mettais la musique à fond et je chantais et je bougeais. Ça motive et ça met de bonne humeur. Et j'avais plus d'eau dans ma voiture, j'avais tout bu. Du coup, j'avais hâte de rentrer pour. Je vais attacher mes cheveux. Parce que ça me gêne. J'ai l'impression qu'ils sont longs et je crois que je vais bientôt les couper. Ouh, allez, on va les attacher un petit peu. On sera plus à l'aise. Allez, c'est parti pour le retour de course. Allez, on va y aller par le plus simple. Les bonbons. Alors, j'en ai pas pris beaucoup, hein. J'ai pris ce que moi j'aime. Parce que Eric, dès comme ça, il aime pas trop. Donc j'ai pris ça, voilà, pour moi. Ensuite, on va passer. Alors j'ai été chez deux actions. Vous allez savoir pourquoi. Donc je vais vous faire montrer d'abord le premier action.
Ne rigolez pas. Et je l'ai trouvée trop mignonne. Franchement, la petite abeille. Regardez-moi ça, comme elle est mignonne. J'aime trop. Elle est trop belle. Je sais pas ce que je vais faire avec. Hein. Je vais la mettre dans ma chambre. En décoration. Je vais la ranger parce qu'ils vont se moquer de moi quand je vais la refaire montrer. Trop mignonne. 1,49€. Il y avait la coccinelle, mais j'ai préféré l'abeille. Elle est trop mignonne. Oh. Bon, rigolez pas. Je suis une enfant. Ensuite, Amélie m'a souvent parlé de ces petits pains comme ça à l'ail pour l'apéro. Et elle dit qu'ils sont super bons. J'en ai jamais acheté, donc j'en ai pris pour l'apéro de ce soir. Voilà. On verra ce que ça donne. J'ai pris un déodorant Dove parce que j'en avais plus. Des pinces à linge. Voilà, parce qu'il m'en manque tout le temps. Et j'ai pris un short. Vous voyez, c'est celui-là que je vous parlais la dernière fois. Et moi, je voulais un vert haut, mais il n'y avait que des grandes tailles. Donc, je vais voir si celui-là, il me va. J'ai pris taille L. Bah oui, j'ai grossi de ça à 100 grammes, donc... j'ai gardé le ticket de caisse, parce que si c'est trop grand... Non, ça va m'aller. Ça va le faire. Bon, je vais essayer quand même. Hein. J'aime trop. Trop beau. Hein. Comme ça, à la caméra, vous croyez que c'est grand, mais c'est pas grand. J'essayerai. Avec la petite ceinture, c'est trop beau. 7,99€. Donc ça va. Hein. Hop, on va mettre ça comme ça. Je vais le mettre ici. Ensuite, en nouveauté, j'ai trouvé ce diadème. Vous savez, quand on fait les petits soins comme ça, là. Alors moi, ça tombe bien. Quand je mettrai ma petite crème Imim, et ben, je prendrai ça. C'était le dernier. 1,49€ ou 99 centimes. Je sais plus. Je l'ai pris. Voilà, c'est en mousse, ça. C'est de la mousse. Voilà pour le premier action. Alors, ça, en fait, c'est le premier, c'est le deuxième action. Le premier, j'avais été à un autre. Ça, c'est le deuxième action. Je me trompe. Pourquoi j'ai été dans un autre action? Pour trouver la nouveauté. C'est-à-dire le gloss. C'est les nouveautés. Et ça, dans le premier action où j'étais, c'était le dernier. C'est pour ça que j'ai fait un autre action pour voir s'il y aurait d'autres couleurs. Mais ils n'en avaient pas. Donc je suis dégoûtée. Mais bon, je suis contente de l'avoir trouvé quand même celui-là. On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Oh là là, il a l'air trop beau. Oh, il sent bon. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Il est trop beau, trop beau, trop beau. Trop beau. Regardez. Oh, il est trop beau. Bon, là, j'ai du rouge à lèvres. Quoique, je peux en mettre au-dessus. Hein. Mmh. Ouais, il est vraiment beau. Donc, j'étais contente de l'avoir trouvé. Hein. Très contente. Allez, du coup, ça, c'est bon. On va rester dans les nouveautés. Ah bah oui, j'ai pas trouvé que ça en nouveauté. Hein. Regardez-moi cette palette que je cherchais également. Tout plein de paillettes. Ça va être trop bien pour l'été. De la marque Fab Factory. Trop belle. Pour l'été, les couleurs comme ça, là. Puis ce rouge à lèvres. Enfin, ça a gloss, c'est pas rouge à lèvres. J'adore. Allez, on continue pour les nouveautés. C'est terminé. Un finish pour le lave-vaisselle.
Voilà, il est en promotion cette semaine, donc je l'ai pris, hein, parce que sinon ça coûte cher. J'ai repris un chargeur, parce que le mien du salon commence à être capoute, donc j'en ai repris un. J'ai pris mon pot pour faire mon sirop de menthe. Voilà, c'est le moins cher, celui-là il est à 89 centimes. J'ai repris une boîte de menthe pour ma voiture. J'ai pris ça pour les chiens. Alors c'est en promotion aussi cette semaine, 1,50€. Et j'ai pris des petits snacks comme ça. Voilà, j'ai pris ça. Et là pareil, c'est la promotion pour les lampes Fabergé. Les lampes Berger. Donc elle est en promotion chez Action, 4,95€ je crois. Ouais, c'est ça. 5€ quoi. Donc je l'ai pris. J'ai pris Oriental Coco. Je sais pas ce que ça vaut. En fait, même si on veut sortir, on sortira pas parce que ça sent l'alcool. C'est seulement quand on brûle que ça sent. Donc j'essayerai demain. Voilà pour Action. C'est terminé pour les deux Actions. C'est déjà pas mal, hein. Allez, au suivant. On va partir chez mon premier épicier. Alors, j'ai été chercher de la menthe. Alors, c'est 4... Oh, ça sent bon la menthe. Ça sentait trop bon dans ma voiture. C'est 4 bouquets pour 1€. Ça sent trop bon. Parce qu'on va faire du thé ce soir. Et moi, je vais faire mon sirop aussi. Donc, 4 pour 1€, ça vaut le coup, hein. Et j'ai trouvé les fameuses olives pour faire le poulet de ce soir. Alors, c'est des olives au citron. Voilà, je vais goûter. Dégustation. Alors, franchement, elles sont pas chères au kilo. Hein. 5,80€ le kilo. Alors que chez Intermarché, c'est 15€ le kilo. C'est les mêmes. Hein. Trop bonne. Franchement, trop bonne. J'adore. J'adore. Trop bon. Oh là là, ça donne envie d'en manger encore. Allez. Au suivant. Chez mon deuxième épicier, mais ça, c'était dans une autre ville plus loin de chez moi. Pourquoi? Parce que chez mon épicier, il n'y avait plus les graines de tournesol que je voulais. Donc, j'ai dû partir ailleurs. Et j'ai bien fait. Donc, j'ai trouvé cela. Alors, c'est toujours la marque Dakota. À part qu'ils l'ont mis en bas. Et ils sont vraiment beaucoup moins chers à l'autre épicier. Donc, je vais les goûter et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, c'est des tailles S. Hein. Voilà. 1,80€ pour 180 grammes. J'ai ma bougie qui est terminée. C'est pour ça que je sentais la bougie éteinte. Ensuite, l'appareil. Mais j'ai pris le paquet couleur violet. Bon, des rouges, j'ai pris deux paquets. Les rouges, j'ai pris deux paquets. Et là, j'ai pris un gros paquet de 275 grammes. Donc, c'est toujours des Dakota. Hein. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Et j'ai pris un morceau de pastèque pour ce soir également. Il était trop beau. Il était plus beau que chez Grand Frais. Parce que chez Grand Frais, il y avait l'air farineux. Donc, je l'ai pris chez mon épicier à 2,50€ le kilo. On va se régaler ce soir. D'ailleurs, il faut que je m'active parce qu'il faut mettre les poulets en route après. Ensuite, alors ici, c'est quoi? Les courses sont tout mélangées. Eh ben, on va partir chez Grand Frais. Ouais, on va partir chez Grand Frais. Ça, c'est là parce que ça, c'est Intermarché. Intermarché. Et Intermarché. Allez, Grand Frais, j'ai pris une feuille de chêne. Ça, c'est pour demain avec la raclette.
des tomates pour faire ce soir la salade de tomates et la salade de concombre que j'ai déjà à la maison. J'avais envie de pommes golden. C'est 2,99 le kilo, c'est pas donné. Hein. Du coup, j'en avais envie. Donc j'ai pris des pommes golden. Faut vraiment que je m'achète un plus gros panier à fruits parce que là, il n'y a vraiment plus de place. Là, j'ai trouvé des pâtes fagottini au saumon et citron. Comme ceci. Pour moi, demain midi. C'est des pâtes fraîches aux œufs, farcies au saumon. Voilà, il y a du parmesan dedans, du jus de citron, du persil. Voilà, on va goûter ceci, c'était pas cher. C'était 2,50 pour 250 grammes. J'en aurai largement assez. Ensuite, j'ai pris 6 figues. J'ai pris les moins chères de la boîte à 2,26 €. Ça sera pour faire ma limonade. Donc, j'attends mes graines de kéfir. Et du coup, il me manquait ça. Donc, je l'ai pris. Et là, j'ai trouvé un beurre au cristaux de sel de Guérande. C'est un beurre de baratte, la motte. Alors, j'aime pas trop le beurre au sel. Enfin, le demi-sel. Mais quand il y a des cristaux à l'intérieur, c'est trop bon. J'en mange pas beaucoup parce que c'est salé. Hein. Vous le savez aussi que je ne peux pas. Mais un petit peu sur un bout de pain, ça fait pas de mal. Voilà, c'est tout pour grand frais. Alors, ça c'est mon ticket de action. Ah oui, ça j'en ai pas besoin. Hop, c'est des anciens tickets. Ensuite, Intermarché. Alors, Intermarché, j'ai été chercher les bouteilles de limonade. Parce qu'ils sont moins chers Intermarché par rapport à Match. À Match, ils sont à 3 € passés. Et là, c'est 2,80 €. Et c'est des 1 litre. Donc, j'en ai pris deux. Une. Deux. Alors, la marque Lorina, trop bonne. Hein. Je n'ai pas oublié mon jus d'orange. Alors, j'ai pris la grosse bouteille parce que c'est moins cher au litre. Ma bouteille de 1 litre, je paye 2,23 €. Et là, il y a 1 litre et demi et je paye 3,23 €. Donc ça vaut le coup. En date courte, moins 50%, j'ai pris du rôti de poulet. Ça c'est pareil, c'est pour la raclette demain. Alors il y a 4 tranches à l'intérieur, c'est sans nitrite, Fleury Michon. Ici pareil, du rôti de porc de la marque Madrange, 1,28 €, je l'ai eu à moins 50% également. Donc, c'est pour la raclette aussi demain. Ici, j'ai trouvé du chou rouge, un petit paquet pour 3 à 4 personnes. C'est 250 grammes. C'est en moins 30%. Je l'ai eu à 85 centimes. Donc, je pense faire ça, je sais pas, soit fin de semaine, soit semaine prochaine. Ensuite, j'ai pris des rings goût oignon. J'ai pris 2 paquets. Ça, j'aime bien pour la séance. J'aime bien manger des chips à la séance. Et là, j'ai pris des frites pour Eric. Les frites sel bouton d'or. Ils sont très bons, ceux-là. Je préfère ceux-là que la marque Fritel. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris mes bouchées feuilletées. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Voilà, pour Intermarché, c'est tout. C'est pas fini. Ah bah non, ah bah non. Le dernier pour la fin, le meilleur pour la fin, la boulangerie. J'ai pris 3 baguettes bien fraîches. Ça sent bon le pain frais. Je vais me régaler moi avec mes frites. J'adore mettre mes frites dans mon pain. Et j'ai pris des petites gourmandises. Ah oui, j'ai oublié les œufs que j'avais pris chez mon épicier. J'ai repris parce que c'était beaucoup moins cher. 4,80 € les 30. Donc, j'ai pas hésité. Alors, c'est parti pour les petites gourmandises. Je vous fais montrer. Je vais vous mettre de l'autre sens. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est juste pour nous ce soir. Avec le petit thé, ça va être très bon. Je
Je vous montre. Regardez-moi ça. J'ai pris ça. Alors, ma vidéo s'était éteinte. Je recommence. J'ai pris des petits cigares comme ça, feuilletés, comme ça, au miel et des graines de sésame. Des boules de coco. Alors ça, je vais en faire maison parce que je sais les faire. Ça, c'est mes gâteaux préférés, mais ça, c'est, je ne sais pas les faire. Enfin, je n'ai jamais essayé, mais je préfère pas m'aventurer. Les macroutes, bon, tout le monde connaît, à moi, c'est des petits. Bon, ça, je sais les faire. Et les cornes de gazelle, également, je sais les faire. Donc, j'ai pris que ça pour ce soir. Donc, voilà, c'est tout pour les courses du jour. Hein ? Il était temps que je rentre parce que j'en avais marre. Allez, je range tout ça et je commence à préparer le poulet parce qu'il est déjà 17h. Allez, go, c'est parti. J'ai oublié une chose. Je l'avais oublié dans ma voiture, le principal. J'ai ma passe qui se fait la malle. Mon goûter. Là, c'est des petits pains à la crème, comme ceci. Donc, j'en ai pris deux. Hein. Un pour moi, un pour Eric. Donc, j'espère qu'il ne va pas tarder. Parce que moi, je commence vraiment à avoir très faim. Là. Alors, j'ai pas mangé ce midi. Hein. Tu adores le sucre glace comme ça. Je vais pas manger ce midi, j'ai pas le temps. Je devais manger mon Big Mac et je ne l'ai pas mangé. Donc, soit Eric le prendra pour demain, soit je le mangerai... je sais pas quand. Ou Vincent. Parce que Vincent va venir manger ce soir aussi. Hein. Donc, je vais voir. Bon, ben, c'était pour vous faire montrer mes petits pains à la crème. Allez. Je commence à ranger mes cours. J'ai presque terminé. Allez, je reprends. Il ne me reste plus grand-chose. Bon les amis, je vous reprends pour vous terminer ce vlog. On va manger, c'est presque prêt. Donc je vous ai fait montrer les frites de patates douces. Julie est en train de préparer la sauce avec les olives. Alors elle est en train de les dessaler parce que sinon c'est trop salé, c'est pas bon. Et puis on va manger. Alors il y a des frites de patates douces et des frites normales. Le poulet aux olives. On va se régaler. Je prendrai mon assiette, voilà, pour vous faire montrer. Et ça sera sur la vidéo de demain. Avec les desserts, le pastèque, le thé à la menthe. Je vous ferai ça demain. Je le prendrai en photo. Et je le mettrai sur le vlog demain, en début de vlog. Parce que sinon, là, si j'attends, le vlog d'aujourd'hui va durer... va arriver tard, hein, voilà, tant que je fais le montage et tout. Donc là, Julie s'occupe de la cuisine et moi, je vais faire le montage et vous mettre la vidéo. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour un prochain vlog. Prenez soin de vous, un bon appétit à vous. À demain. Ciao. Ah oui, et les enfants sont arrivés. À demain.